Okay, so bonjour à tout le monde. So I'm going to open this meeting with a very brief introduction to say that, first of all, I'm particularly glad to open this colloquium on 30 years after the anthropological report on the European Commission. Where does anthropology stand and what does it tell us about the European institutions? So I'm particularly glad indeed, because this is actually the first academic meeting set up by the European General Studies Programme for years, and all the EGIS team worked a lot this year to completely renew this programme, and I hope and I think that this colloquium will be the best way to celebrate this renew and all these efforts. Maybe a couple of words on the EG program for those who don't know. So EG has a special position, or even more a special mission, if I can say, inside the College of Europe, in the sense that we do not deliver any master's degree, but we have for function to make the students of the college work together in an interdisciplinary way. And also we try to keep the original spirit of the college, in the sense that our mission is really to give the students a vision of Europe beyond their speciality, and a vision that borrows to the common core of the social sciences and humanities. So, to say it quickly, EG Spirit builds on the idea that the challenges that Europe faces are complex and that they necessitate a critical, self-reflexive and intersectional perspectives. So in this framework, the students have to choose an EG course each semester. The first one is about a broad perspective on the European integration. We call it a widening perspective on European integration. And this is about philosophical, sociological, historical perspectives, and so on. And in the second semester, we put a special emphasis on the societies. So our thought is that their professional careers, be it as administrator, jurist, lawyer, economist, diplomat, and so on, the students of the college will contribute, and maybe we have the responsibility to the construction of tomorrow's European societies. So that's why we really put an emphasis on social aspects and all what is related to the European societies. And finally, we decided in EG to end the year with a colloquium, an academic meeting, being related to this spirit. And this year, we have decided to put anthropology on stage, and to some extent honor the anthropology perspective. Alors, pourquoi l'anthropologie? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que, comme j'ai essayé de le signifier, le programme EG veut remettre vraiment l'humain au cœur des réflexions. Et donc, d'une certaine manière, l'anthropologie porte par définition sur l'étude du genre humain. Et donc, il nous a semblé symbolique, exemplaire, utile, précisément, de commencer notre série par cette discipline qui, par ailleurs, à mon sens, irrigue toutes les autres des sciences humaines et sociales, que ce soit l'histoire, la sociologie, dans un dialogue renouvelé, mais constant aussi, évidemment, avec la philosophie. Ensuite, la seconde raison, c'est que il nous a semblé que, tout particulièrement dans le cas des études européennes, l'anthropologie
et telle que vous, Marc Abeles, et quelques autres en particulier, vous l'avez pratiquée, a ouvert une voie particulièrement riche dans le cadre des études européennes, notamment parce qu'elle représente, et elle représente toujours, de mon point de vue, une sorte de contre-feu, ou de, si vous me permettez l'expression, en tout cas, aux analyses les plus positivistes, qui dominent quand même une bonne partie des études européennes. Donc le parti, c'est de dire... D'accord, ça peut être intéressant de compter les voix formelles au Conseil, etc. Mais ça peut être aussi tout autant intéressant d'essayer de s'intéresser à la fois au point de vue indigène, aux structures des milieux dans lesquels ceux qui font les décisions les font. Et ça, c'est précisément la vocation, je crois, du travail de l'anthropologie. Or, de ce point de vue, le colloque a évidemment pour but de célébrer une sorte d'anniversaire, puisque ça fait grosso modo 30 ans. Alors, on se situe entre l'ouvrage sur la vie quotidienne au Parlement européen et le rapport à la Commission, c'est-à-dire entre 92 et 93. Et puis on espère que tout ceci donnera lieu à une publication en 93, donc véritablement 30 ans après. C'est une manière donc de célébrer précisément et de rendre hommage à ce travail fondateur qu'a représenté le travail de Marc Abeles, Irène Bellier, Marion MacDonald, dans la mesure où ça a été, en tout cas à ma connaissance, le premier travail faisant vraiment une étude de terrain très poussée, précisément, mais surtout de l'intérieur. Alors, il y avait eu quelques travaux de journalistes, il y avait eu quelques témoignages, il y avait eu beaucoup de choses, mais jamais, en tout cas, une équipe d'anthropologues s'était livrée à cet exercice. Et d'une certaine manière, votre travail a ouvert la voie à toute une série d'études par la suite. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais un certain nombre d'auteurs sont avec nous aujourd'hui. Alors, il y a évidemment les travaux de George Ross, qui devait être présent, mais qu'on aura par visio, et son ethnographie du cabinet de Jacques Delors, à la fin, donc... 2 ans après, grosso modo, qui reste là aussi une somme sur le fonctionnement précisément du cabinet de Delors. Il y a eu des travaux de Caillez, quelques autres, de Julie Caillez par exemple, quelques autres. Je pense aussi à Sylvain Laurence plus récemment, autour de la question du milieu bruxellois, qui ont suivi soit certaines communautés, soit fait des travaux entre l'entreprise et la sociologie urbaine. Dans les années 2000, on a eu le travail de Chris Shore, Building Europe, extrêmement intéressant, lui aussi, source de controverses, mais qui a été particulièrement, justement, utile dans la mesure où il posait l'hypothèse de l'émergence d'une sorte de nouvelle noblesse d'État au niveau européen. Et puis, les études se sont élargies à d'autres populations. Magali Balator, par exemple, vous avez étudié non pas les dominants des dominants, des eurocrates, et je reviendrai éventuellement sur ce mot plus tard, mais au contraire, tous ceux qui, dans la bulle, sont aussi sur des positions précaires. D'autres ont fait des travaux sur les stagiaires. Il y en a eu plusieurs ici. D'autres ont fait des travaux sur les nouveaux entrants, notamment au moment des grands élargissements. Et là, je pense aux travaux de Pavel Levicki, qui devait être avec nous et qui a été retenu pour un problème d'aéroport tout bête, donc qu'on aura quand même par écran. D'autres ont élargi à d'autres institutions, c'est le cas d'Amy Busby par exemple, et plus tard d'Estelle Delaine pour ce qui est du Parlement européen. Quantité de travaux également sur les États membres. Là, je trouve que ça complète précisément très très bien aussi votre perspective. Je pense aux travaux de Karine Geugen aux Pays-Bas, aux travaux de Tondal pour la Suède, d'Adler Nissen sur les diplomates précisément danois. Les travaux également de Tim Bechelt sur le ministère allemand de l'économie, de Christian
sur le Quai d'Orsay, alors qui ne se centre pas spécifiquement sur la question européenne, mais qui trouve quand même ou qui étudie quelques acteurs clés de cette politique au Quai d'Orsay, ou de Clermont-Pépernault, qu'on entendra aussi, qui précisément prend une perspective un peu plus comparée et multiméthodologique sur ce milieu. Et puis, pour conclure, la perspective s'est élargie aussi au lobby, puisque ce milieu des politiques européennes, ce n'est pas simplement évidemment les institutions, mais tous ceux qui travaillent avec. Et donc là aussi, les travaux de Sylvain Laurence encore, d'Armel Cloteau, font partie de ceci, comme d'autres sur les journalistes, etc. Donc voilà, c'était une bonne raison précisément pour rendre hommage à la fois à votre travail, mais aussi essayer de le comparer ou de le rediscuter à la lumière finalement de ces autres travaux, ou aussi à la lumière des travaux que vous-même, par comparaison, vous avez fait sur l'OMC, qui je pense peut être une occasion par comparaison là aussi de se livrer à un travail réflexif. Et puis sans être trop long, je voudrais aussi dire ma dette personnelle à l'égard de votre travail. On m'a demandé, lorsque j'étais jeune maître de conférence, donc fort longtemps, de monter un cours sur les institutions européennes. Il se trouve que je ne connaissais quasiment rien aux questions européennes, puisque mon travail de thèse portait sur l'histoire de la propagande dans les années 30. Et j'avoue que sans ce rapport, j'aurais été bien en mal, précisément, de parler de ces acteurs. Et donc, j'y ai pris goût, d'une certaine manière, et c'est, d'une certaine façon, à votre suite que j'ai cherché à développer tout un champ ou un courant de recherche précisément sur les professionnels de l'Europe, sur ce que par la suite j'ai appelé le champ de l'eurocratie. Mais j'avoue que rien de tout cela en réalité n'aurait été possible si vous n'étiez pas passé par là avant, avec quelques hypothèses précisément, dont précisément j'aimerais dire un mot maintenant, parce que je rendu hommage sur le passé, mais j'aimerais plutôt venir sur le présent, voir l'avenir, parce que je suis frappé, en ayant relu désormais le rapport, de l'acuité de certaines de ces, de ces conclusions, puisqu'au fond, tout ce que vous pointez sur les paradoxes entre la centralisation et de la diversité de ce personnel, les questions qui sont posées par le management de ce type de d'organismes, les oppositions qui existent, alors à l'époque entre le Nord et le Sud, mais évidemment on pourrait aujourd'hui rajouter un troisième bloc de l'Europe centrale, etc. L'interprétation qui est liée surtout à ces oppositions, que finalement vous interprétez comme une lutte de pouvoir sur le modèle dominant, à peu de choses près. Je crois que dans tout cela, nous nous retrouvons, ou en tout cas, nous sommes nombreux à nous retrouver, et je pense que le dialogue que nous aurons, justement, avec les perspectives qui ont complété votre travail, permettront de traiter, autant que faire se peut, cette question de la permanence et du changement, qui est aussi au cœur, d'une certaine manière, de votre discipline. Donc, merci à vous, merci à tous, en tout cas, d'être venu. Un merci tout particulier à l'équipe DJ, Annelise, Andrea, Margot, Anna, qui a vraiment porté ce projet, qui a porté toute cette année de réforme assez importante, voilà, et aussi qui a réussi à me supporter, ce qui n'est pas toujours le plus simple nécessairement. Donc merci à vous, merci aux auteurs. Et donc Marc, je vais vous donner la parole. Voilà comment les choses vont s'organiser. On va écouter en fait Pascal Lamy, qui devait lui aussi venir, mais qui est dans l'avion, et qui a bien voulu, donc, dans une courte vidéo d'un peu plus d'un quart d'heure, nous faire un peu une présentation des conditions dans lesquelles vous vous êtes rencontrés, de quel était son rapport à l'anthropologie, et d'un ensemble de choses que nous allons précisément découvrir. Et une fois qu'on aura écouté Pascal Lamy, vous aurez donc le floor. Voilà. Merci. Bonjour et merci de cette invitation à votre session
d'introduction, ces deux jours de travaux, je développerai mon court propos autour de trois thèmes. Le premier, c'est pourquoi mon intérêt depuis maintenant 35 ans pour ces questions d'anthropologie de l'Europe contemporaine. Le deuxième, c'est pour vous parler un peu du contexte du travail de Marc Abeles, d'Irène Bellier et de Marianne MacDonald à l'époque, sur lequel vous allez vous pencher. Et puis le troisième, c'est de faire rapidement le bilan, celui que je fais aujourd'hui, des travaux que j'ai contribué à lancer dans ce domaine et qui continuent à m'intéresser beaucoup. D'abord, pourquoi mobiliser l'anthropologie, l'ethnologie, voire les sciences humaines, pour faire avancer l'intégration européenne. Ma réponse n'est pas d'ordre scientifique, comme elle pourrait l'être pour beaucoup d'entre vous. Ma réponse est d'ordre politique. Je me suis intéressé à cette question parce que je suis un fervent partisan d'une intégration européenne plus poussée, pour des tas de raisons que je n'ai pas à expliquer ici. Et que, dans les années que j'ai passées à Bruxelles avec Delors, à partir de 1985, je crois que j'ai commencé à comprendre que l'intégration européenne se faisait sur deux faces, la face sud et la face nord. La face sud, c'est la moins pentue, c'est celle que les pères fondateurs retenu pour démarrer ce processus, c'est l'unification des marchés, de l'économie, des consommateurs, des travailleurs. Ça, c'est la face sud, c'est celle que on a empruntée, comme je l'ai dit, et c'est celle sur laquelle nous sommes encore très largement aujourd'hui. Mais il y a une autre face que cette face rationnelle, économique, plus passionnelle, plus sentimentale, que j'appelle la face nord, parce qu'elle est, elle, beaucoup plus pentue. C'est celle de l'appartenance. Un consommateur, un travailleur, n'appartient pas à l'espace dans lequel il se meut, qui est un espace de production ou de consommation, comme un citoyen se meut dans un espace politique. Un espace économique n'est pas forcément automatiquement un espace politique, et c'est là d'ailleurs que les pères fondateurs, à mon avis, ont commis une erreur d'ordre anthropologique qui consiste à penser que l'union économique conduit en quelque sorte par elle-même à l'union politique, alors que l'union économique est une affaire de raison et l'union politique, si je puis dire, une affaire de passion. C'est une affaire de sentiment. Ce n'est pas une affaire de calcul. L'économie, c'est du calcul. La politique, c'est de la perception, de l'appartenance. On est dans un domaine qui est celui des sciences humaines, qui est celui de l'anthropologie. Et je pense qu'on fait erreur en faisant confiance à la face sud pour nous mener là où l'intégration européenne doit nous mener, sans s'intéresser assez à la face nord, qui doit, de mon point de vue, même si c'est beaucoup plus compliqué, même si la pente est beaucoup plus raide, nous mener vers des éléments d'ordre culturel, d'ordre mémoriel, d'ordre symbolique, d'ordre imaginaire, du domaine des représentations, qui est précisément celui de la sociologie, de l'anthropologie, de l'ethnologie. Si on accepte cette démarche, dont je suis, d'un certain point de vue, devenu petit à petit l'avocat, alors on comprend, on découvre, d'un certain point de vue, que ces éléments sentimentaux, mémoriels, ce qui fait la relation à l'appartenance, fait qu'on se sent appartenir à une communauté,
un espace qui est celui d'une cité, l'Europe est une cité au sens philosophique du terme, si on s'intéresse à cette face nord, on comprend assez vite que ces éléments culturels, mémoriels, symboliques, de représentation, imaginaires, sont en Europe d'abord dominés par les dissemblances et pas par les semblances. Nous sommes, chacun des pays européens, c'est vrai pour les 27, et c'était vrai quand la Grande-Bretagne faisait partie de cet ensemble, nous sommes des espaces culturels, mémoriels, anthropologiques, d'abord différents parce que formés, formatés par les différences qui nous séparent de nos voisins, ce qui est le moyen que le nationalisme, les nations, à partir notamment du XVIIIe et du XIXe siècle, ont adopté pour construire des identités symboliques. L'identité symbolique, elle est formatée par la différence avec le voisin le plus immédiat. Et donc, je considère, et je termine là ce premier point un petit peu théorique, je considère que les invocations si fréquentes dans les discours du dimanche à l'unité européenne, et notamment du côté de tous ceux qui regrettent que ça n'aille pas assez vite et qui attribuent cette lenteur à je ne sais trop quelle combinaison malheureuse des structures institutionnelles qui sont la base de la construction européenne, je considère que ces invocations à l'unité sont vaines si on n'accepte pas de regarder ce que cette unité implique du point de vue de la construction des représentations. Et donc, il n'y a pas un problème. Nous avons, pardon, d'un certain point de vue, un problème de déficit démocratique, comme on dit. J'accepte cette thèse à condition de considérer que s'il y a déficit démocratique, le déficit n'est pas dans le kratos, il est dans le démos. Ce ne sont pas les institutions qui sont le problème. On a un schéma institutionnel extrêmement proche de ce que Montesquieu avait élaboré comme une espèce de gouvernement idéal, une cité idéale. Le problème vient du déficit de démos, c'est-à-dire d'appartenance à un peuple. Nos démos, a écrit assez récemment une de vos collègues. Ceci me mène au deuxième point, qui est au fond celui d'intérêt des deux jours qui viennent, et qui est celui du contexte du travail que Marc Abeles a fait sur la Commission européenne il y a maintenant 30 ans, et dont je suis en partie responsable. Il en est, si je puis dire, le responsable principal, puisque c'est lui qui a fait ce travail avec ses collègues. Je suis un des initiateurs de ce travail. J'avais ce raisonnement, peut-être pas de manière aussi claire que celui que je viens d'exprimer après de longues années, mais j'avais remarqué le travail de Marc, notamment sur le Parlement européen, qui a précédé celui qu'il a fait sur la Commission européenne. Et donc cette approche anthropologique d'une réalité européenne me séduisait. J'ai réussi, ce qui n'était pas forcément une mince affaire, à convaincre Jacques Delors de se lancer dans un travail d'observation participante, pour reprendre les mots de Marc Abeles lui-même, sur la Commission européenne, considérée en quelque sorte comme une sorte de tribu vers laquelle on voyage, que l'on essaie de comprendre, avec laquelle on s'entretient, on regarde les relations des uns avec les autres, les mœurs, les légendes, les habitudes, la nourriture, les habillements, les familles, etc. J'ai eu un tout petit peu de mal à convaincre Delors que la Commission européenne était une tribu susceptible d'observation scientifique, mais c'est
un homme, c'était un homme, c'est encore un homme assez ouvert sur ce genre de choses, et donc j'y suis parvenu, d'où ce travail que Marc et ses collègues ont mené dans les différents services de la Commission, et d'ailleurs autour de la Commission, dans les pubs, parfois dans les fêtes nationales qui réunissent souvent les nationaux d'une certaine nation et qui travaillent à la Commission européenne. À l'époque, on n'était pas 27, on était 12, enfin 10 puis 12 à partir de 1986. Le nombre de fêtes nationales à observer était moins élevé qu'aujourd'hui, mais néanmoins, ils ont fait ce travail approfondi. Remarquable, de mon point de vue, et qui aurait mérité d'être publié. Et c'est là que j'ai échoué. J'avais réussi à obtenir le feu vert de Delors pour se lancer dans cette entreprise. Je n'ai pas réussi à obtenir son feu vert pour publier les résultats de ce travail. Pour une raison, disons, que je résume sous forme anecdotique, pour ne pas trop rentrer dans les détails. En très gros, Delors, en lisant ce travail, avait compris qu'il y avait à la Commission deux cultures alcooliques, celle du Nord, qui est de l'alcool fort et rare, celle du Sud, qui est de l'alcool moins fort mais plus fréquent, et qu'en gros, quand on lisait le rapport d'Abelès, le résultat, c'était qu'à la Commission, les habitudes alcooliques étaient à la fois d'alcool fort et d'alcool fréquent. La fusion de la culture du Nord à la culture du Sud aboutissait à ce résultat un peu préoccupant. Et dans les entretiens que j'ai eus avec Delors à l'époque, et que j'essayais d'arguer, l'argument principal qu'il m'a opposé, c'est qu'on ne pouvait pas laisser penser que la Commission était une tribu d'ivrogne. Donc OK pour la considérer comme une tribu, mais si c'était une tribu d'ivrogne, alors ce travail ne devait pas être publié. J'en viens à ma troisième considération, dont je pense qu'elle est aussi utile pour introduire vos travaux et pour partager avec vous la perspective qui est encore la mienne aujourd'hui sur cette question. Mon intérêt pour cette démarche qui consiste à prendre les yeux de l'anthropologie, de l'ethnologie, voire de la sociologie, pour mieux aborder et comprendre cette face nord de l'intégration européenne, celle qui consiste à superposer un espace politique à un espace économique en reconnaissant l'erreur des pères fondateurs et l'existence d'un espèce de plafond de verre entre le consommateur et le travailleur d'un côté et le citoyen de l'autre, je considère qu'il est toujours très important d'aborder ces questions, de les traiter, de les étudier, d'où cette seconde démarche que j'avais d'ailleurs entreprise avec Marc Abelès et un groupe d'anthropologues multicontinentaux quand il a fait le travail qu'il a fait à l'OMC, parce que quand je suis devenu directeur général de l'OMC, cette petite passion ne m'avait pas quitté. Ça n'a d'ailleurs pas donné tout à fait les mêmes résultats pour des raisons bien compréhensibles sur lesquelles vous pourrez sans doute revenir en posant la question à Marc Abelès au cours de vos travaux. J'ai néanmoins continué dans cette voie jusqu'à cette entreprise qui est la mienne aujourd'hui et depuis quelques années, et à laquelle Marc a été associé au moins dans ses premiers pas, qui consiste à essayer de créer un réseau européen de chaires d'anthropologie européenne contemporaine. Partant de ce constat que j'ai fait tout à l'heure, qui est que nous sommes biberonnés dans nos différences, que ces différences sont des obstacles au sentiment de semblance qu'implique l'appartenance, je crois, et c'est ce que les premières expériences ont montré de mon point de vue, qu'à partir du moment où on approfondit ces différences, qu'on les explique, qu'on les remet dans leur contexte géographique, culturel, historique, alors ces différences, par miracle, en quelque sorte, un processus intellectuel assez curieux, ces différences s'effacent et apparaissent
les semblances qui sont le support d'un sentiment d'appartenance à un espace commun. Et on a eu un bon exemple dans les travaux qui ont accompagné les débuts de la chaire d'anthropologie européenne que j'ai fondée à Louvain, et auquel Marc Abélès a été associé, en tout cas dans les premiers pas de cette chaire européenne, qui est maintenant tenue par une anthropologue qui s'appelle Julie Hermès. Les premiers travaux, par exemple, sur ce qu'on a appelé les personnages tutélaires de l'hiver, qui sont, d'un certain point de vue, totalement différents dans les différentes cultures européennes, entre le Père Noël, Santa Claus, le Krampus, et tel ou tel autre personnage curieux qui habite les contes hivernaux, quand on regarde l'ensemble de ce spectre et qu'on essaie de l'expliquer, de le comprendre, de l'approfondir, alors on aboutit au fond à des espèces de racines communes. Tous ces personnages sont au fond, probablement, l'exception, la manière pour les Européens dans les temps anciens de traiter d'une certaine manière l'effroi qui les saisissait lorsque les nuits devenaient courtes et que c'était pas si sûr que le cycle des saisons recommence, ce qui était important notamment pour leur nourriture, et que donc c'est à ce moment-là qu'ils avaient besoin de se raconter des histoires pour se rassurer sur ce qui allait se passer. Je schématise évidemment excessivement, et ne me prenez pas pour un anthropologue de profession, ni même de formation, anthropologue amateur d'intérêt, et donc pardonnez-moi ces approximations. Ceci pour dire néanmoins que ce travail de constitution d'un certain nombre de chaires d'anthropologie européenne contemporaine, hein, pas celle qui consiste à examiner les modalités de la culture du chou en Roumanie au XVe siècle, ce qui est un sujet certainement important, mais qui de mon point de vue ne nous dit pas grand-chose sur la question que je souhaite aborder et qui est celle de cheminer dans cette face nord difficile dont j'ai parlé. Une deuxième chaire est née à Normalsup, même si elle fonctionne sur des modalités différentes de celle de Louvain, qui elle est une chaire universitaire traditionnelle. Celle de Normalsup est plus temporaire, et je continue à essayer petit à petit d'étendre ce réseau. Ça n'est pas simple, parce que ça suppose de mettre quelques moyens sur la table, ce que je fais à titre personnel quand il faut le faire, mais ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de travail à faire, je ne consacre à cette entreprise qu'une partie de mon temps et de mes ressources, et donc je termine en quelque sorte ce propos introductif par un appel à l'aide. Si celles et ceux d'entre vous qui travaillent sur ces questions sont prêts à m'aider à faire étendre ce réseau, et je pense profondément que cette démarche ne fait de sens que si elle fonctionne effectivement en réseau, avec des communications, avec le partage de découvertes ou de savoirs nouveaux qui sont bâtis sur ces questions, alors, je suis disponible de mon côté à vous aider. Je vois les choses avancer très lentement. Je signale au passage une autre bonne nouvelle qui n'est pas vraiment reliée à ce que j'essaie de faire pour mieux faire comprendre pourquoi les Italiens vont au foot avec leur famille et jamais avec leurs copains, et pourquoi les Espagnols vont au foot avec leurs copains et jamais avec leur famille. Je schématise. Je pense qu'il faut comprendre ces différences pour cheminer sur le chemin de l'appartenance, comme je l'ai dit. Mais je vois, par exemple, une bonne nouvelle dans l'augmentation récente, depuis 5-6 ans, de fiction littéraire, télévisuelle, cinématographique, comme par exemple cette série Parlement européen, à laquelle j'ai très, très modestement participé, ce qui me vaut d'avoir mon nom au générique de tous les épisodes. C'est un rapport effort notoriété de bonne qualité. Je considère que cette idée, cette réalité, qui est que le cadre de la vie politique européenne, le Parlement européen, la Commission européenne, le gouvernement européen, fait l'objet de fictions, comme les systèmes nationaux l'ont fait, et d'un certain point de vue, une promotion anthropologique
que je salue, ce ne sont pas des anthropologues qui sont à l'origine de ces livres, de ces récits, de ces contes ou de ces images, mais je considère que ça a quelque chose à voir. Merci pour avoir accepté de partager ces quelques réflexions. Je termine tout simplement en disant que ma vision de la nécessité d'une intégration européenne n'est que renforcée dans les circonstances assez dramatiques que vit l'Europe avec cette invasion de l'Ukraine. Je sais que les Chinois appellent ça la crise ukrainienne. Je sais que beaucoup de pays dans le monde appellent ça la guerre en Ukraine. J'appelle ça l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce que je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom pour bien les comprendre et pour éviter les ambiguïtés. Et donc, ces circonstances et ce monde d'aujourd'hui, qui est dans un état de crise réelle et potentielle, à mon avis, sans précédent, depuis 30 ou 35 ans que je navigue dans ces mers, dans ces courants et dans ces vents, je pense que l'approche par l'anthropologie de ce qui se passe, non seulement en Europe, mais dans ce monde, du point de vue politique, demeure et reste quelque chose que nous devons promouvoir davantage, expliquer davantage, à la fois sur le chemin de l'unité européenne, que je voudrais continuer à accélérer pour le temps qui me reste dans ce monde. Et pour terminer, je vous cite une anecdote récente, dont j'espère qu'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui est un ami, me pardonnera de la partager avec vous, en public en quelque sorte. On s'est rencontrés à New York récemment, évidemment on a beaucoup parlé de l'Ukraine, et notamment des raisons pour lesquelles la décision de Poutine d'envahir l'Ukraine nous avait pris par surprise. Et je vous livre pour terminer cette formule d'Antonio. Quand je lui ai posé la question, au fond, pourquoi est-ce qu'on a tous été surpris, pris de court ? Il a répondu « parce que nous avons trop de diplomates et pas assez d'anthropologues ». Merci pour votre attention. Bon, voilà, merci. On va reprendre le cours de nos travaux. Alors, c'est vrai que j'ai introduit notre table ronde, je n'ai pas introduit le colloque de manière plus générale, mais vous le savez par le programme, on a souhaité, et là aussi ça fait partie de la vocation de d'IGI, qu'il y ait la partie académique, réflexive, retour précisément sur les travaux, mais il y a toute une partie dialogue, et donc Pascal Lamy y faisait référence. Nous dialoguerons demain avec Noé Debré et d'autres précisément sur, enfin tout à l'heure plutôt, tout à l'heure sur précisément la série Parlement, pour discuter de cette relation entre fiction et travail ethnographique. Et puis demain, donc, nous avons aussi un dialogue avec un ensemble de professionnels des institutions, et plus particulièrement de professionnels aussi des ressources humaines de ces institutions, donc qui portent bien sur la question humaine. Et donc, je remercie Anna Otoyaga qui est parmi nous, mais je crois que d'autres sont à distance. Donc, vous avez également mon salut. Voilà, Marc, vous avez eu l'introduction de Pascal Lamy. Maintenant, la parole est à vous. Merci. Merci à vous pour votre invitation. Je suis très, très honoré et très intimidé à la fois. Je suis content d'avoir pu être une source d'inspiration. Ça me fait très, très plaisir. J'étais aussi intéressé d'entendre Pascal Lamy et de comprendre pourquoi ce rapport n'avait pas été publié. Mais on finit toujours par comprendre. Par ailleurs, je veux dire que j'étais un petit peu étonné quand j'ai reçu cette invitation, parce que à l'époque où j'ai travaillé sur ce sujet, je n'imaginais pas qu'un jour le rapport serait l'objet d'une sorte de commémoration. Et à l'époque, il s'agissait pour moi et pour nous, en fait, et je reviendrai sur ce « nous »,
de répondre à une commande. Et jusqu'alors, j'avais toujours travaillé de manière complètement indépendante, y compris dans le cadre du Parlement européen, ayant la chance d'être chercheur au CNRS. Et en fait, c'était un peu un challenge dans la mesure où la discipline à l'époque était quand même surtout focalisée sur l'exotisme, était surtout focalisée, disons, sur l'observation de groupes très, très limités. Et il y avait quand même, par rapport à ce que j'avais pu faire auparavant, à la fois certaines continuités et puis aussi une certaine rupture. En fait, je voulais juste vous présenter un premier point un peu sur la généalogie de cette recherche et la question, justement, pourquoi l'anthropologie politique? Et là, en me référant un petit peu à mes terrains antérieurs et au type de questionnement que je développais auparavant et qui m'ont conduit à cet objet de recherche sur les sociétés européennes, sur les institutions européennes. Et puis, deuxièmement, la question comment ça s'est déroulé, ce travail, hein, ça peut vous intéresser, c'est un peu un élément de l'archive pour nous tous, quoi. Comment on a pu faire un travail collectif impliquant pendant une année trois chercheurs à plein temps. Comment on a pénétré dans ce milieu qui était assez fermé et assez opaque. Comment on a été accepté et quelles étaient les conditions de notre travail et quelles difficultés aussi on a pu rencontrer. Et puis le troisième point, c'est évidemment les résultats qu'on a obtenus, l'apport et les limites aussi de ce genre de recherche, en quoi on met en relief par l'anthropologie certaines questions qui sont souvent négligées. Donc c'est comme ça que je voudrais jeter une sorte de regard rétrospectif sur ce moment intellectuel qu'a représenté ce projet et en quoi, loin d'être une observation purement objective, c'était aussi tout un rapport d'implication entre nous et nos interlocuteurs qui s'est mis en place. Alors, concernant la généalogie de cette recherche. En quelques mots, ma formation, elle n'avait rien à voir au départ avec l'anthropologie. J'étais un élève de l'école normale supérieure, philosophe de formation. Et il s'est trouvé qu'à un moment, j'ai fait une formation d'anthropologie à l'école des hautes études et j'ai réalisé une thèse sous la direction de Claude Lévi-Strauss. Ça a été une première chance quand même de pouvoir faire sous sa direction une thèse qui était consacrée à une société africaine d'Éthiopie, une société acéphale qui était gouvernée par des assemblées. Et donc j'ai travaillé sur ces assemblées, j'ai beaucoup travaillé donc déjà dans le contexte de l'anthropologie politique sous la supervision d'un maître, exigeant, mais qui m'a aussi ouvert des perspectives plus larges, disons, sur la théorie et la pratique de l'anthropologie. Et puis, après avoir continué quelques années de travailler sur des sujets ayant trait à l'ère culturelle africaine, au début des années 80, j'ai été convaincu de l'intérêt d'un travail ethnographique sur la politique et les institutions dans nos sociétés. Et j'ai essayé de tester, au fond, des concepts et une méthodologie avec laquelle j'avais travaillé dans des sociétés éloignées. Et pour cela, au fond, je commençais à m'inscrire dans une démarche qui était déjà un peu celle d'anthropologues célèbres comme Georges Balandier en France, Max Luckmann au Royaume-Uni, et qui avait inauguré une anthropologie des sociétés contemporaines. Et pour ce faire, je me suis attelé à l'étude de la vie politique locale en France à partir de l'étude d'un canton du sud du département de l'Yonne en Bourgogne. Je suis allé à Sciences Po. Je ne connaissais pas du tout Sciences Po, mais je suis allé quand même demander des renseignements et demander tout ce qui avait été fait sur la vie politique locale. Je suis allé à la bibliothèque et là, je me suis fait dire que ça n'avait pas grand intérêt, que c'était les étudiants qu'on envoyait en stage, mais que si j'étais vraiment un chercheur du CNRS, je devais avoir un peu dépassé cette dimension. Ça, c'était très marrant au départ. Bon, j'ai dit OK et j'ai regardé un petit peu. Il n'y avait pas grand-chose non plus chez les anthropologues, sociologues, etc. Et c'est comme ça que j'ai été... Et j'ai passé plusieurs années, en fait, à travailler sur la vie politique dans ce département de Lyon, à tel point qu'on a cru, d'ailleurs, que j'étais un candidat putatif. J'ai été convoqué par le maire d'une ville qui était la ville de Sens et qui m'a demandé, au terme d'un long déjeuner, quelles étaient mes intentions pour les prochaines municipales. Bon, enfin, c'était déjà... Enfin, et donc, j'ai beaucoup appris parce que j'ai fait donc toute cette approche par le bas, disons, à partir du quotidien, de ces pratiques politiques. Et c'est là que j'ai commencé aussi à beaucoup travailler sur la question aussi des rituels politiques, de tout ce quotidien, enfin, des gens.
Et j'avais fait aussi un texte sur le rituel de Solutré de Mitterrand et tout ça. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et à ce moment-là, j'ai rejoint finalement les gens des sciences politiques ont commencé à être intéressés par ce que je faisais. Et j'ai publié un livre qui s'appelait Jour tranquille en 89. 89, c'était le département de Lyon. Et ça a commencé à vraiment bien fonctionner. Enfin, les gens commençaient à vraiment s'intéresser, des étudiants étaient intéressés, etc. Donc ça démarrait bien. Et il s'est trouvé, alors là c'est vraiment un peu l'effet du hasard, qu'il y a eu les élections de 89 au Parlement européen, 1989, vous voyez, ça fait longtemps. Et comme je travaillais beaucoup sur la question de l'éligibilité des élus, des pratiques d'élection, etc., j'ai dit bon, ça m'intéresserait. Et puis j'ai eu une deuxième chance assez exceptionnelle, c'est que Simone Veil était la cousine germaine de ma mère, on était assez proches, et elle était un peu au courant de ce que je faisais, et elle m'a dit « Écoute, pourquoi tu ne viens pas au Parlement européen? C'est quand même un super terrain, etc. » Elle a commencé à me vendre un peu, si je puis dire. Alors que je ne peux pas du tout dire que j'étais... Le sujet m'intéressait intellectuellement, mais humainement, les députés européens, pour moi, ça, j'en avais jamais vu. Quoi. Je ne sais pas ce que ça pouvait représenter, sinon des hommes politiques connus qui allaient... Bref. Et bon, elle m'a dit, essaye quand même, etc. Et elle m'a présenté surtout à M. Vinci, qui était le secrétaire général du Parlement. Parce que c'est pareil, je ne pouvais pas rentrer là-dedans. Autant j'avais toujours travaillé chez les gens en arrivant comme ça, sans connaître personne. Mais là j'ai été donc introduit par ce secrétaire général qui m'a permis surtout de me promener avec un badge dans l'institution. Et c'est comme ça que j'ai commencé à observer. Et là, j'ai été effectivement... Tout à fait passionné par à la fois le type de pratique politique et toute cette histoire dont on parle, surtout en ce moment d'ailleurs, sur les compromis, sur la difficulté des pratiques que les députés français à l'époque trouvaient insupportables. J'avais vraiment des interviews d'interviews européens français qui... C'était terrible, quoi, ce qu'ils vivaient, les compromis entre la gauche et la droite, les écologistes. Enfin, on disait, en France, ça n'arrivera jamais. Nous, on a la droite, la gauche, puis c'est terminé, quoi. Et puis surtout, en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la question des langues, en fait. Et c'est le côté tour de Babel. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur cette question. J'ai travaillé avec des interprètes. J'ai travaillé beaucoup, en fait, pas seulement avec les députés, mais beaucoup avec des gens qui étaient dans la maison et qui géraient tout cet énorme machin, y compris à l'époque où il n'y avait pas encore l'informatique comme aujourd'hui. Vous savez, on trimballait des camions pleins de papiers, d'amendements, etc., traduits en plusieurs langues, enfin, entre Bruxelles et Strasbourg. C'était un véritable... Bourlange, j'appelais ça un caravansérail, mais c'est vrai que c'était... Il disait c'est le camp du drap d'or, mais on avait l'impression, franchement, de vivre un truc pas possible. Et donc c'est comme ça que j'ai vraiment pénétré dans cette espèce de microcosme de Bruxelles et de Strasbourg. Et surtout aborder cette question que pose Pascal Lamy, qui est la question du pluralisme culturel dans les institutions européennes. Si vous voulez, ce qui m'a le plus frappé, sans doute, c'est cette sorte de dialectique entre l'un et le multiple, au fond, qu'on vivait en permanence dans ce cadre-là. On a été jusqu'à faire un film avec une réalisatrice israélienne sur Arte, qui est passée sur Arte, qui s'appelait La tribu européenne, et qui montrait justement pas tellement... elle était très dogmatique, donc elle a supprimé tout ce qu'il pouvait y avoir comme interview de députés et tout. Donc c'est vraiment le fonctionnement de l'institution... Brut de décoffrage, des femmes de ménage. C'est assez étonnant d'ailleurs à revoir. Moi, je suis toujours partagé sur ce film. Il y a des moments où je le trouve super, il y a des moments où je... Mais bon, cela dit, c'est pour dire en tout cas que j'étais très, très impliqué. Et j'avais aussi, si vous voulez, lu des écrivains comme Musil ou comme Canetti, par exemple, qui abordent beaucoup cette question de la consistance anthropologique de l'Europe à travers leur prisme, et ça m'apportait aussi énormément. Ce qui est aussi assez fascinant, c'est de voir toutes les dénégations qu'il pouvait y avoir à propos de cette complexité anthropologique. Et c'est vrai qu'un jour, je suis tombé par le plus grand des hasards sur un texte de Pascal Lamy dans la revue Esprit, dont je n'étais pas un lecteur du tout régulier, et il abordait cette question, des langues et de cette complexité culturelle. Et là, j'avoue que j'ai dit, enfin, quelqu'un
a l'air vraiment de se passionner, un praticien de l'Europe en quelque sorte, se passionne pour ces questions. Et à peu près au même moment, ça a été un peu ma troisième chance, j'ai rencontré Pascal Lamy parce qu'on m'avait dit, écoute, c'est le chef de cabinet de Delors, puisque tu travailles sur le Parlement, il faut quand même faire quelque chose sur le regard de la Commission à propos du Parlement, ce qui, moi, me semblait assez secondaire, donc j'y suis quand même allé, il m'a donné un rendez-vous, tout le monde m'a dit, c'est génial, t'as rendez-vous avec Pascal Lamy, j'ai dit, de toute façon, il va me faire un topo. Bon, et à peine je suis arrivé, il m'a dit, voilà, écoutez, moi j'ai une demande à vous faire, après je réponds à toutes vos questions, mais moi je vais vous poser une question, est-ce que vous êtes prête à monter une petite équipe pour étudier la Commission européenne de la même manière que vous avez étudié le Parlement? Alors j'ai dit, bah oui, je sais pas, enfin c'est, oui, ça m'intéresse, mais je voyais pas du tout même comment j'allais faire. Et j'étais en train de terminer et de rédiger le livre qui était la vie quotidienne au Parlement européen, qui est sorti en 92. Donc j'étais vraiment assez à cran. Bon, j'ai dit OK. Je suis rentré et j'ai eu la chance de tomber sur deux anthropologues, Irène Bellier et Marion McDonald, qui se sont intéressés au projet. Il se trouve que Irène Bellier, qui avait travaillé un peu comme moi, avait un peu le même profil, c'est-à-dire elle avait travaillé en Amazonie, il avait fait sa thèse en Amazonie, et ensuite elle avait fait une étude sur l'ENA, sur les ENA, un livre sur l'ENA. Donc elle avait cette double casquette. Et Marianne McDonald avait beaucoup travaillé, en fait, elle, sur la Bretagne, et sur le mouvement breton, etc. Et elle avait publié un livre très intéressant là-dessus. Et voilà comment ça s'est fait. Mais c'est important parce qu'en fait, c'est un travail vraiment qu'on a fait à trois, en ce sens que, en plus, l'équilibre ou le déséquilibre, le fait qu'il y ait eu deux anthropologues femmes et un homme, c'est aussi, ça joue aussi sur ces regards-là. Et pas seulement le fait qu'il y avait une Britannique et deux Français. Je crois que tout ça a joué. Je pourrais vous dire même, en ce qui concerne le fameux passage sur la boisson et tout, que c'est Marianne McDonald qui est en fait, je vais venir au terrain proprement dit, puisque elle a travaillé à la DG5, la emploi, relations industrielles et affaires sociales, et c'est que là-dedans, elle a eu tous les dossiers concernant justement tous ces problèmes qui étaient bien réels, qu'on avait tous observé d'alcoolisme, etc., dans le Parlement. Mais je ne pensais pas du tout, vous verrez dans le rapport, ça représente un petit passage. Je ne pensais pas que ça remonterait jusqu'au... Non, comme quoi. Mais je dois dire, et là vous le constatez, que personne, ça c'est aussi un effet très important, c'est que personne ne nous a fait corriger quoi que ce soit dans ce rapport. Donc nous l'avons assumé et personne n'est venu nous dire quoi que ce soit. Enfin, il y a eu des critiques, j'en reparlerai, mais sur le plan de l'écriture et tout, voilà, c'est bien notre texte. Bon, alors, comment on a travaillé une fois que... Alors, on a donc signé un contrat parce qu'il fallait que notre collègue britannique ait un remplaçant pendant un an. Elle était professeure dans une université du Royaume-Uni et c'est pas le même système que le système français. Pour s'en aller, il faut trouver un remplaçant et trouver le moyen de le payer. Donc la Commission européenne a payé un remplaçant, un professeur d'université anglais pendant un an. Et puis en ce qui concerne Irène et moi, on faisait des allées et venues et on nous payait des missions, mais on n'avait pas de rémunération. Et moi, je tenais justement à ce qu'on soit quand même sur ce plan-là le plus indépendant possible. Donc c'était un... C'était d'ailleurs un gros contrat, enfin, ça, c'est encore un détail, mais Lévi-Strauss était très étonné parce que mon contrat dépassait le budget du laboratoire d'anthropologie sociale. On l'a su parce que c'était le labo qui le gérait. Et Lévi-Strauss m'a regardé et m'a dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je lui ai expliqué, ben oui, il faut payer aussi des professeurs. Bref. Donc on nous a tout de suite introduit, alors grâce, on a travaillé avec la cellule de prospective, qui était rattaché directement à la présidence. Très important parce qu'on n'a pas eu à passer par la DG Recherche et tout. Le financement était directement passé directement par la cellule de prospective. Et c'était Jérôme Vignon, un très proche aussi de Delors, qui était le responsable de cette cellule.
polytechnicien d'origine et parfois un peu choqué par nos raisonnements ou par nos façons de voir les choses, mais avec des réunions régulières, une sorte de groupe de suivi, qui fait qu'on était tout le temps, quand même, on était tout le temps dans une discussion aussi à propos de ce qu'on était en train de faire. Ensuite, on s'est réparti les DG, on a fait toute une tournée des DG pendant une quinzaine de jours, et puis en fonction de différents critères qu'on s'est fixés, on a choisi donc McDonald's, elle était justement à l'emploi, à relations industrielles et affaires sociales. Moi, j'étais à la politique régionale et à l'agriculture. Bélier, elle était au développement et relations internationales. Donc, on avait comme ça des secteurs assez différenciés. Donc, Irène était plus sur l'international et ces choses et les politiques de coopération. Moi, j'étais plus sur donc ces questions de région et ces questions d'agriculture. Il se trouvait que comme j'avais beaucoup travaillé dans le rural, disons en France, je connaissais assez bien les questions que se posaient les gens. Et puis, Marianne, elle était dans cet endroit assez complexe, finalement, où il y avait beaucoup de contradictions, en fait, qui était la question du social, ou de ce que pouvait y toucher la commission, la question du social, la question de l'emploi, etc. Bon. Et voilà comment on était quotidiennement dans les DG. On passait nos journées là-bas, on faisait évidemment des entretiens, mais plus que des entretiens, on était là. On était là, ça veut dire qu'on mangeait avec les gens, ça veut dire qu'on sortait avec les gens, ça veut dire que voilà. Et ça c'est le côté complètement intensif et assez bizarre aussi pour les gens de notre présence. Je peux vous dire qu'au début, ça n'allait pas du tout de soi. C'est-à-dire que les grands chefs étaient d'accord, ils étaient contents qu'on les interviewe, on allait voir le DG nous faisait tout un topo, l'adjoint, etc., les chefs d'unité, encore ça allait. Puis après, il y a les autres qui nous voyaient arriver et qui disaient « Mais qu'est-ce que vous voulez ? D'où vous sortez ? Qui vous mandate ?» Et puis là-bas, c'est quand même très... Tout est assez formel. Et pourquoi vous restez à nous regarder ? Moi, je l'ai vraiment vécu de près, puisqu'on m'a dit, au bout d'un certain temps... En gros, c'est au bout de 2 mois en anthropologie qu'on se fait généralement... Ça, c'est mon expérience, aussi bien en Afrique que dans ces institutions. C'est qu'au bout de 2 mois, les gens commencent à se dire qu'ils vont encore rester longtemps, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Et là, ils m'ont dit, bon, allez, dis-nous tout, tu fais un audit, quoi. Tu fais un audit pour le président, tu es délégué directement pour faire l'audit, et qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va être réorganisé, etc. Moi, j'étais incapable de faire un audit, évidemment, et je connaissais même pas tout ce langage, et j'ai dit non, moi je suis là pour observer, je suis un anthropologue, et puis j'expliquais... qu'est-ce que j'avais l'habitude de faire quand j'étais dans un village lambda, etc. Et je dis, je fais ça avec vous, bon, d'accord. Et puis, progressivement, moi, j'ai acquis une espèce, et mes collègues, bien sûr, ont acquis une compétence. C'est-à-dire qu'à force d'être tout le temps avec les gens, on allait dans les réunions. Donc, on voyait des réunions. Moi, j'ai vu des réunions aux politiques régionales qui étaient extrêmement complexes. Je me souviens d'une réunion sur les subventions... sur la montagne en Corse, enfin des trucs absolument aberrants que la DG ne voulait pas lâcher, il voulait pas qu'on subventionne ce genre de choses. Le gouvernement français voulait dealer avec d'autres gouvernements pour que ça se fasse. Enfin, donc moi j'étais vraiment au début je ne comprenais pas grand chose à tout ça, mais très vite j'ai été complètement pris par. C'est comme quand on est dans un film, quand on est pris par les enjeux, par les discussions, par parfois une certaine violence aussi dans la. Ça, et puis la DG de l'agriculture. Quoi. Et la DG de l'agriculture, je me souviens même d'avoir entendu tout à fait au début, par le plus grand des hasards, parler de ce qui s'est avéré être le problème de la vache folle. Donc ça a été à peu près à ce moment-là. Et dans un bureau, ils ont commencé à parler de ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est, etc. Non, on m'a dit, ferme-la, là, c'est off the record. Et il n'y aura pas de record du tout, d'ailleurs, parce que t'es... Enfin, donc, on était quand même vraiment dans le cœur du réacteur. Et en soi, ça avait à la fois un très grand intérêt. Et puis, ça nous révélait finalement la richesse aussi de cette institution. Moi, on peut en rester. C'est souvent, finalement, aux institutions européennes, on voit, d'ailleurs, on le voit aussi dans certains films et tout, une certaine ironie, une certaine, par rapport à la complexité des règlements, par rapport à tout ça. Donc, il y a une espèce de côté un peu détaché. Et ça, c'est vrai qu'en tant qu'anthropologue, on peut le jouer comme ça en disant, bah, finalement, c'est une drôle de tribu, etc. Mais je pense que ça, nous, ça nous parlait autrement. C'est-à-dire qu'on se disait,
au fond, quand on travaille sur le politique, et là je parle anthropologie politique et pas seulement anthropologie, l'ami lui met plus l'aspect sur, je dirais, anthropologie et culture, et moi ça serait plus sur le côté anthropologie politique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le changement d'échelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on est amené à travailler avec beaucoup plus avec plusieurs pays, enfin, dans une institution qui est quand même intégrée, et puis, donc, avec des langues, avec tout ça, comment ça se passe et comment on arrive à produire quelque chose. Moi, c'est toujours ça qui m'a intéressé dans les institutions, c'est qu'elles produisent quelque chose. Et qu'est-ce qu'elles produisent et qu'est-ce qu'elles, voilà, et où est-ce qu'on va? Et là, j'avoue qu'on était, on n'était pas déçus. On voyait à la fois les grandes difficultés que ça avait, mais bon, on a quand même, je pense, réussi à cerner un certain nombre de questions à partir desquelles, non pas qu'on devenait des spécialistes des questions, moi je n'étais pas spécialiste des politiques publiques, sauf qu'à un moment, à force dans les politiques régionales, par exemple, je connaissais à peu près tout le truc, j'en parlais avec des collègues en France qui travaillaient sur ces politiques, et je voyais bien que j'avais appris quelque chose, mais surtout, à partir, disons, de ces données, de ces discussions, de ces observations, on arrivait peu à peu à cerner des questions. Et c'était ça qui nous, enfin, c'est la méthode qu'on a employée, c'est-à-dire faire apparaître un certain nombre de questions pour décoller un peu par rapport à une observation qui est passionnante, mais qui en elle-même peut devenir complètement circulaire. Quoi. C'est ça aussi la question, c'est quand vous êtes tout le temps avec des gens et tout, le problème, c'est qu'il ne faut pas que vous soyez vous-même aplati et le nez complètement sur le guidon, etc. Ça, j'ai ressenti dans d'autres cas de figure également. Et donc, la première question qu'on est arrivé à se poser, c'est au fond sur la manière, sur la réflexivité propre de l'institution. Et la réflexivité propre de l'institution, c'était finalement qu'elle avait une rationalité. On peut se dire tant mieux, mais en même temps, cet idéal de rationalité, on s'est aperçu que ça faisait peut-être problème, si vous voulez. Il y avait une façon à l'époque, d'ailleurs, qui était la sociologie des organisations, qui était d'étudier finalement les institutions comme justement porteuses d'une rationalité avec tout d'un coup un blocage et il fallait avancer dans la rationalité pour régler le blocage. En gros, c'était ça, ce genre d'approche. Et nous, on est parti du fait que peut-être qu'il n'y avait pas... d'abord, il y avait réellement des blocages, mais qu'en fait, ce n'était pas tellement lié au fait à un problème de rationalité. C'était peut-être lié à quelque chose qui relevait des manières de concevoir, des manières de penser dans l'institution, des représentations dans l'institution, des valeurs dans l'institution, et qui, évidemment, avaient des effets ensuite sur le fonctionnement et sur la prise de décision, etc., etc. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on a essayé de travailler. Je sais qu'à un moment, j'ai même parlé, on a eu une réunion avec la cellule de prospective, et j'ai parlé d'un concept qu'un anthropologue, Evans Pritchard, avait employé à propos des sociétés segmentaires en Afrique de l'Est, et c'était l'anarchie ordonnée. Et quand j'ai dit anarchie ordonnée, pour moi, c'était quelque chose de très positif. Mais pour eux, quand j'ai dit le mot anarchie, voilà, attention, ouais, ça posait problème, il fallait vraiment expliciter, et c'était ça peut-être l'intérêt aussi de notre présence, et ça l'ami, je crois, l'avait très bien vu dès le départ, c'est qu'il ne le dit pas, mais en fait, c'est que ça crée aussi à l'intérieur de cette organisation, ça crée des questions, ça induisait des questions. Et c'est très important, parce que le gros problème de ces machines, c'est qu'elles sont tellement huilées par moment qu'elles ne se posent plus de questions jusqu'au jour où elles se trouvent face à un obstacle, et là ça devient compliqué. Bon, bref. En ce qui concerne justement également la communication de la commission, un des points sur lequel on a insisté, c'est le fait que là encore, voulant donner cette image de assez bétonnée finalement de rationalité, les eurocrates, les machins, à la fin, ça se retournait complètement contre eux, puisque ce qui nous paraissait le plus intéressant et le plus communicable, c'était précisément le fait qu'il y avait ce pluralisme culturel et que c'était quelque chose de riche et pas quelque chose de complètement verrouillé. Mais ça, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais je sais que sur ce plan-là, il y avait quand même, de la part d'un certain nombre de gens, plutôt à la tête de l'institution, il y avait une difficulté, finalement, à s'interroger sur cette émergence du pluralisme culturel et de ce que ça pouvait, en fait, apporter. Quoi. Bon, alors, en ce qui concerne... J'ai encore un petit peu... Donc, en ce qui concerne donc, les,
Les résultats de la recherche, ils sont consignés dans le rapport. Si vous voulez, je peux quand même donner un petit résumé de ces éléments. Donc, il y a trois chapitres. Il y a un chapitre qui concerne la culture de la Commission. Un second thème, ce sont des thèmes en fait qui concernent la dialectique justement de l'un et du multiple, avec la diversité des appartenances et des identités. Et puis également un chapitre qui concerne les relations de travail dans le quotidien, disons, de la Commission. Dans le premier chapitre, on rentre un petit peu dans l'univers de cette organisation. On est assez attentif, justement très attentif au vocabulaire, hein, au vocabulaire des agents et la manière dont ils se désignaient. Par exemple, le fait que des DG étaient désignés comme des maisons. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire, ces maisons? Quelle était la symbolique, finalement, qui existait autour de ces maisons et puis de considérations concernant une sorte de hiérarchie aussi symbolique entre ces différentes maisons. Il y a également l'idée que, par exemple, il y a une citation, à la Commission, il y a le royaume des brillants qui ne doutent jamais d'eux-mêmes, les gens des marchés. En face, il y a le domaine des structures et du développement, et eux, c'est les cendrillons. Donc, vous voyez, DG développement d'un côté, DG, bon. Autre question aussi très importante, la question de l'organigramme. Qu'est-ce que c'est qu'un organigramme? Comment on fait un organigramme? Dans un organigramme, vous avez tout de suite quelque chose qui va être ressenti et pensé par les gens, notamment la différenciation. Il y avait une différenciation très importante, c'était la différenciation entre les conceptuels et les géographiques. Ou alors les sectoriales et les géographiques dans une autre DG. Et l'organigramme donc donnait en quelque sorte une sorte de positionnement hiérarchique. Il y avait ceux qui pensaient et puis ceux qui étaient les gars du terrain. En réalité, si vous preniez par exemple la DG 16 où j'étais les politiques régionales, en fait, les gens du terrain étaient beaucoup plus puissants en réalité puisqu'ils avaient le pouvoir en fait, un pouvoir redistributif incroyable. Les chefs d'unité, l'unité Italie, l'unité... Et il y a eu tout un débat, d'ailleurs, parce que moi, j'ai dit, à un certain moment, j'ai dit quand on m'a demandé de faire des conclusions un petit peu... On a fait une présentation de nos différentes contributions dans chacune des DG concernées. On nous a demandé de le faire, on l'a fait, et on a dit ce qu'on pensait. Et moi, j'ai dit, c'est quand même bizarre que les Espagnols... C'est une unité avec dirigée par un Espagnol qui s'occupe de l'Espagne, une unité dirigée par un Italien qui s'occupe de l'Italie, etc. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Parce que moi j'avais vu un certain nombre de choses, des deals qui se passaient. Ben bon, je ne rentre pas dans les détails, mais il y avait beaucoup à dire. Et il s'est trouvé que quelques mois plus tard, il y a eu une réorganisation et on a refait les choses autrement. Et certains m'ont dit, après, j'ai eu des réactions, qui m'ont dit que c'était moi qui étais à l'origine de... Non, je dis tout de suite, c'était pas ça. Mais j'avais quand même dit publiquement, effectivement, que je trouvais que c'était un petit peu compliqué, en prenant quelques exemples qui me semblaient quand même un peu limite, pas conflit d'intérêt, mais pas loin, quoi. Bref, tout ça pour dire qu'on avait quand même une très grande, et ça c'était très appréciable aussi, une très grande liberté de parole à l'intérieur de ce choses. Ensuite, donc cette question de l'organigramme, cette question aussi des réorganisations périodiques, hein, qui étaient assez fréquentes en fait dans l'institution. Et puis ensuite, nous avons beaucoup travaillé sur ce qu'on a appelé le dispositif idéal, c'est-à-dire le comportement, la manière dont il conditionne les comportements et les stratégies des personnels, et qu'on définit comme une sorte de, on définissait ça comme une sorte de stock de représentation avec ce qu'on appelait des notions communes. Par exemple, l'intérêt communautaire, la subsidiarité, avec un certain nombre de stéréotypes, avec aussi ce qu'on appelait des idées-valeurs, c'est-à-dire des idées qui suscitaient des hiérarchies. Je pensais à l'anthropologue Louis Dumont qui avait travaillé là-dessus. Bref, c'est à partir de là, et en essayant de réfléchir, quelle était la compétence, au sens chomskien, disons, d'un fonctionnaire ou d'une fonctionnaire européen qui, évidemment, est amené à intérioriser tout ça. Et ça, c'est son dispositif idéal. Et puis, une autre question qui nous a beaucoup intéressé, c'était la question du rapport au temps. Simplement, là aussi, en observant comment on parlait, et on parlait beaucoup de finaliser, on parlait beaucoup d'urgence,
On parlait beaucoup de fait que on ne parlait jamais d'histoire, en fait. On avait beaucoup de mal à se situer par rapport à une histoire, sauf à citer les pères fondateurs, enfin, tout ce discours sur « plus jamais la guerre », etc. Enfin, là, je parle de cette époque-là. Et par contre, on était toujours en projection vers l'avenir. Et il y a un fonctionnaire qui m'a dit « à la Commission, tout va plus vite que dans une administration ordinaire. On avance sans se retourner. C'est comme si on conduisait sans rétroviseur. » Vous voyez ? Et c'était très, très typique de la façon dont on vivait ce rythme de travail, qui était aussi intériorisé comme fait d'accélération. C'est-à-dire qu'il y avait des moments très plats, et puis tout d'un coup, il fallait absolument finaliser quelque chose, c'est comme on disait, et à ce moment-là, il fallait accélérer. Donc là, il y avait une difficulté, nous a-t-il semblé, entre le fait de, soit en ce qui concerne le rapport au temps, soit on exhibait une espèce de passé, mais très antérieur, une espèce de passé des pionniers, en quelque sorte, soit, à l'inverse, on renvoyait complètement aux oubliettes le souvenir de moments conflictuels, même des moments conflictuels récents. Tout ce qui pouvait être conflictuel, en fait, était effacé par l'activité, et par l'activisme, qui était celui des fonctionnaires. Les gens travaillaient beaucoup, hein. Autant au Parlement, on peut dire que c'est quand même assez calme. Je veux dire, les choses se passent assez doucement, dans une sorte de rituel entretenu, avec les séances de commission, les rapports, enfin, etc. Mais ça va gentiment, alors qu'à la Commission européenne, ça y va assez fort. Il y avait aussi une expression d'un fonctionnaire qui parlait d'une culture de l'urgence aléatoire. Ça en disait aussi assez long sur, voilà, sur ce qui... Et puis alors des formes de frustration développées par le fait d'être toujours en surplomb, au fond, par rapport à la réalité. Il y avait une formule aussi qu'on a retenue qui était, à propos des gens de la Commission, des anges sans corps dans un monde sans territoire. Vous voyez, c'est pas très gai quand même. Et donc tout cela, on l'a fait un peu émerger, et tout cela est rentré, et ça, c'était intéressant, dans des discussions avec les uns et les autres. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on travaillait sur ces choses-là, on n'hésitait pas à en parler et à avoir comme ça en permanence une façon de pratiquer finalement l'anthropologie qui était une façon complètement impliquée. Alors, la deuxième partie du rapport qui porte sur les identités et à laquelle fait allusion Pascal Lamy a été évidemment celle qui a sans doute le plus frapper nos interlocuteurs, c'est effectivement celle qui concerne, la juxtaposition des nationalités à l'intérieur de la Commission, un peu comme ce que j'avais pu voir au Parlement européen. Et là, c'est vrai qu'on a assisté à des scènes parfois assez cocasses, mais surtout à des moments de tension aussi très forts du fait qu'il y avait une confrontation permanente entre différentes cultures administratives. Au Parlement, c'est plus des cultures politiques, mais là, c'était beaucoup des cultures administratives. Et par exemple, je relatais une scène où j'avais un directeur d'unité allemand qui s'est tout d'un coup énervé contre une fonctionnaire de son unité espagnole parce qu'il lui a reproché la manière dont elle avait rédigé une note en anglais. Et là, vous voyez les limites du système, parce que la dame, elle a dit, mais enfin, pourquoi tu me reproches ça? Comment, toi qui es allemand, tu en saurais plus que moi sur l'anglais? Il y a une très, très forte tension, ça m'est resté. Et on a eu pas mal de fois cette question sur, justement, la rédaction, puisque les notes, c'est quand même quelque chose de très important qui circule de bas en haut. Et, par exemple, le fait que dès qu'on se plaignait d'un Français, c'était sur sa manière de rédiger. Je ne parle pas de sa langue française, mais c'était la façon dont on disait un Français, de toute façon, il complique toujours les choses, il te fait un truc en je ne sais pas combien de parties, en trois parties, déjà, c'est beaucoup trop, alors qu'un Anglais ou enfin quelqu'un qui est dans cette culture plutôt anglo-saxonne, il fait trois lignes, et puis c'est bon, et il te donne une préconisation, et ça va. Le Français, il te fait une argumentation. Et ça, c'était très, très difficile. C'était le genre de question qui revenait tout le temps
Et bon, et qui n'était. Alors c'est la question des différences. Et cette question des différences, évidemment, après, on la revoit dans la question des modes de vie à l'intérieur de la Commission. Et c'est là, effectivement, qu'on a opposé, effectivement, enfin, on a fait apparaître des clivages entre les Nordiques et les Méridionaux, entre les buveurs de bière et les buveurs de vin, etc., entre... Enfin, des choses comme ça qui étaient assez, qui m'ont pas paru tellement extraordinaires, mais qui étaient tellement présentes. C'est ça qui était drôle, c'est-à-dire la manière dont on montait des stéréotypes. Et c'était une des questions, si vous voulez, la question que j'avais plus vue dans le cadre du Parlement, c'était la question comment on peut arriver à faire quelque chose ensemble, à trouver un compromis, sachant qu'on est différent, qu'on a des cultures politiques différentes, etc. Comment on y arrive ? On y arrive à peu près. Mais la question à la Commission, c'est comment arriver sans avoir une vision, je dirais a priori, de ton interlocuteur, qui est quand même, je sais pas, un Anglais et toi t'es Français, ou un Italien et l'autre est Allemand, etc. Et il y a tout le temps, en fait, des projections. Et il y a des projections qui... Et ça, c'est une chose, donc des projections qui peuvent être très déstabilisatrices, parce que dans le quotidien, on est quand même en permanence confronté à tous ces gens, et puis qui créent aussi ce que j'appelais un relativisme généralisé. Et ça mine. Alors c'est ça, par rapport à la vision absolument bétonnée qu'on peut avoir de l'extérieur de la Commission, les eurocrates, les fonctionnaires qui ont fait leur concours, qui ne sont pas inféodés, et ça c'est vrai, au pays. Mais néanmoins, c'est à l'intérieur que ça se joue. À l'intérieur, c'est complexe. En tout cas, ça l'était, et c'est une des choses qui a beaucoup marqué dans les résultats qu'on a pu faire. Mais là, je parle de cette époque-là, et je ne veux pas projeter sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'était assez extraordinaire. C'est-à-dire que pour un anthropologue, c'est vrai, le maniement du stéréotype et la façon dont tout de suite il arrive à presque démanteler une réalité, c'est assez impressionnant, c'est assez impressionnant. Et au fond, ce qui était extraordinaire, c'était de voir que quand même, ça arrivait à fonctionner. Et nous, c'était un peu notre position, c'est-à-dire, mais bravo, vous arrivez à fonctionner compte tenu de tout ça. Et eux, quand on leur disait ça, évidemment, ils disaient, non, mais attends, pourquoi tu nous décris comme ça ? Nous, tout va bien, etc., etc. Donc, on avait cette espèce de... Nous, on voyait, on repérait, je dirais, un certain nombre de tensions. Et puis, eux étaient plus centrés, au fond, sur... Nos interlocuteurs, disons, étaient plus centrés sur la question du type de fonctionnement interne, du caractère de la verticalité, du centralisme, du caractère pyramidal, enfin ce qu'on reproche généralement, effectivement, dans beaucoup d'organisations qui ne sont pas particulièrement européennes, au fonctionnement interne. Donc, c'était un des aspects, en fait, de notre travail. Qui me revient aujourd'hui, mais encore une fois, moi, maintenant, ça me paraît assez lointain et j'ai pas essayé de me remettre dans l'état d'esprit que je pouvais avoir. Simplement, c'est des choses qui me paraissent encore assez saillantes. J'ai re-regardé le rapport et ça, quand je le lisais, je voyais encore les gens à qui on s'était adressé et comment ça se passait. Et puis, il y avait une autre chose, mais ça, c'était peut-être plus moi que ça intéressait. Dans l'équipe, c'était la question de justement des concepts qu'ils utilisaient, ce que j'appelais les notions communes. Et ça, c'était mon background un peu philosophique. Et effectivement, tout ce qui était autour de l'intérêt communautaire que j'avais vu à la DG16, aux politiques, mais aussi à l'agriculture, d'ailleurs, aux politiques régionales et agriculture, et toujours invoquer ce fameux intérêt communautaire qui devenait une notion assez floue, finalement, qu'on sortait tout d'un coup. Et j'appelais ça le mana, par référence à mon maître Lévi-Strauss, là, qui avait fait tout un truc sur ce qu'il appelait le mana chez les Polynésiens. Là, il appelait ça le signifiant flottant, c'est-à-dire une notion il disait, c'est la notion qui suture, qui vient suturer le discours indigène. Et donc, bon, on était parti aussi sur cette idée-là. Et donc voilà, après, je pense que je pourrais faire de longs discours, mais en fait, ce sont un certain nombre de points qui ont été assez marquants, qui ont amené à des... J'ai parlé du rendu des travaux, et je me souviens que j'ai été rendre mon travail à la direction de l'agriculture, qui était le mastodonte, la DG6, à l'époque, hein, avec la politique agricole commune, c'était quand même le gros morceau.
qui était la DG des Français, hein, le directeur général, toujours des Français. Après, ça a changé, mais c'était toujours des Français. Et donc, j'y arrive, il y a un monsieur que j'avais rencontré, qui avait été très, très aimable et tout. Ce monsieur me reçoit avant la réunion. Et il me dit, j'ai lu votre rapport là pendant le week-end et j'ai cassé une chaise tellement j'étais énervé. C'est incroyable ce que vous pouvez dire, etc. Hyper violent. Donc, puis c'était un type, il faisait près de 2 mètres, quoi. J'étais pas à l'aise physiquement. Et puis il me dit, vous allez voir, tant pis, hein, tant pis, vous allez leur expliquer. Donc je suis allé expliquer. Enfin, comment expliquer un rapport en prenant des choses très précises, hein, parce que cela dit, là je fais un discours général, mais c'était très précis par rapport à des choses que j'avais observées. Et les gens n'ont pas l'air, n'étaient pas désagréables, enfin, on posait quelques questions, mais ça allait. Puis je suis sorti, et là-dessus, je crois que c'était le numéro 2, le numéro 3, qui était un Britannique, il se précipite sur moi, je dis, bon, qu'est-ce qu'il va. Et il m'emmène dans son bureau, il me dit, venez, venez. Et il me dit, ah, ça m'a fait plaisir, vous ne pouvez pas savoir, il en a tellement marre de... Là, il a déblatéré, en fait, sur la rationalité de la direction française et tout. Mais, en fait, si vous voulez, ça donne simplement une idée, en fait, de la manière dont se posaient, en fait, les choses assez concrètement. Et puis, voilà, après... je pense que ouais, je regarde ce que j'avais pris quelques notes, mais il me semble que c'est un peu cette idée de faire du commun, faire quelque chose ensemble, tout en étant différent, et puis inventer aussi quelque chose. Et c'est là qu'effectivement les notions communes et toutes ces choses sur lesquelles on travaillait. Et je me souviens des Après, j'avais fait un article avec Irène Belli, on a fait un article sur... je me souviens que j'avais pas mal travaillé dans cet article. C'est précisément sur ces notions communes. Ça a été publié dans la Revue française de Sciences Po. Compromis culturel, oui. Ouais. Et moi, je m'étais intéressé, en fait, à des choses qui avaient trait au fond, au service public, au public et à la manière dont on thématisait, justement... les services communs, les trucs comme ça, et choses qui allaient... Enfin, bref. Bref, je ne vais pas, pas m'apesantir, mais voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on a essayé de faire à cette époque-là. Alors, bien, merci beaucoup, Marc. De toute façon, je dirais, au long de, à la fois de l'après-midi et de demain, la discussion sera toujours en écho par rapport à ce travail. C'est vrai que moi, ce qui me surprend, c'est que d'un côté, on a l'impression de beaucoup de transformations. La division du travail institutionnel a changé. Je pense que dans les relations entre ce qu'était la Commission à cette époque, ce qu'elle est aujourd'hui relationnellement par rapport au Parlement et au Conseil, les choses ont quand même bougé. La relation, vraisemblablement, au temps des crises, etc., régulières, a fait là aussi bouger des choses. La relation à la langue, qui n'est plus du tout complètement la même, puisque là, maintenant, il y a une domination très, très nette de l'anglais. Le nouveau management public est passé par là, d'une certaine manière, avec une forme de nouvelles disciplines, enfin, au sens quasi foucaldien, discipline sur les corps, enfin. Mais en même temps, j'ai l'impression que peut-être ce qui a, bon, c'est une question comme ça pour lancer les choses, et puis on prendra une ou deux questions dans la salle, et puis là encore on poursuivra les débats lors des différents ateliers, tables rondes. Il me semble quand même que l'une des choses qui a peut-être changé, c'est effectivement ce rapport au temps et le rapport au territoire, c'est-à-dire que en vous relisant, on a vraiment l'impression que l'Europe est dans un territoire infini. C'est-à-dire que la question ne se pose pas véritablement, elle ne se pose que dans une extension qui, d'une certaine manière, est par définition illimitée, de la même manière que le temps est par définition une sorte de temps long, c'est-à-dire le temps de la construction européenne. Et moi, par analogie, alors c'est moins Lévi-Strauss que Max Weber, mais il y a quand même des ponts autour d'un ordre qui est plus un ordre de type hiérocratique que l'ordre politique qui est borné par le territoire et l'urgence du temps. Et j'ai quand même l'impression que
C'est une discussion, mais si on peut utiliser l'anthropologie aussi, c'est peut-être pour repenser un peu cette question de la politisation qui est un peu sur tous les agendas aujourd'hui. Il me semble que l'un des effets de la politisation, c'est qu'effectivement, le temps de l'Union européenne s'est raccourci. Le sentiment d'urgence n'est pas du tout le même, je pense, aujourd'hui qu'il était il y a 25 ans, et que la définition du territoire, on en comprend bien, et là, la guerre nous le rappelle cruellement, cette idée d'une forme d'extension, de nouvelle universelle, etc., est forcément limitée d'une certaine façon, ou en tout cas ne se pose pas du tout de la même manière. Il y a les pays de la frontière, ceux d'après la frontière, mais il y a toute une sorte de hiérarchie dont je n'ai pas le sentiment qu'elle était présente dans ce cas. Enfin voilà, c'est pour donner à penser, ouvrir éventuellement le débat. Je ne sais pas, on peut prendre une ou deux questions tout de suite, et puis on en prendra d'autres lors des ateliers qui suivent. Oui, Céleste. Bonjour, merci pour votre présentation, c'était vraiment passionnant. Moi, j'avais une question plutôt par rapport à la question de l'interinstitutionnel et la manière dont peut-être ça a évolué, je ne sais pas, mais si c'est quelque chose que vous avez pu voir, vous, à l'époque, vu que vous avez aussi fait du terrain au Parlement, à la Commission, des choses ont évolué depuis. Vous parliez des stéréotypes qui ont l'air d'être plutôt des stéréotypes liés aux cultures nationales, qu'elles soient politiques ou administratives. Et je fais écho au terrain que moi j'ai pu faire, où j'ai eu l'impression de voir aussi des stéréotypes institutionnels. Donc par exemple, les administrateurs de la Commission qui peuvent parler des administrateurs du Parlement en les rattachant en fait et en réifiant un petit peu l'institution à laquelle ils appartiennent. Donc je voulais savoir si c'est quelque chose que vous aviez pu aussi voir vous déjà dans vos terrains. On prend une seconde question dans la foulée éventuellement ou on commence par celle-ci. Voilà. Ouais, donc, non, en ce qui concerne d'abord ce que vous disiez, c'est il me semble que on était aussi dans un contexte que j'ai pas restitué, qui était le marché unique. Hein, c'était de l'or, et il faut voir que c'était une institution qui était complètement gouvernée là, à l'époque, on peut dire. Le président de la Commission, c'était vraiment il impulsait toute une politique. Et il y avait un point sur lequel il y avait problème et. Je pense que George Ross, il peut en parler, c'est toute la question d'une politique industrielle, enfin d'une intervention dans une politique industrielle. Ça, c'était un dada aussi de Delors, qui finalement, il n'a jamais pu faire passer. Mais en gros, à part ça, il y avait cet objectif, c'était le marché unique. Donc le reste, au fond, d'autres questions concernant effectivement le territoire, etc., c'était pas aussi important. Je veux dire, les choses ensuite s'alignaient, en fait, dans une sorte d'effort collectif. Mais il y avait des gens comme Delors, comme Lamy, etc., ils avaient un projet et ils étaient arrivés quand même à communiquer une espèce de direction. Nous, on s'est situé complètement, justement, une vision par le bas. Donc, par définition, on ne ressaisissait pas tout ça. Mais il faut voir que l'ambiance était une ambiance plutôt, j'allais pas dire euphorique, mais qui était quand même... c'était dans une forme d'optimisme où on allait vers quelque chose. Hein, c'était pas... Mais on allait dans les termes. Alors ensuite, il y avait effectivement les problèmes de mise en œuvre de ces politiques. Et puis il y avait effectivement les questions des rapports, du rapport avec les gens avec le Parlement européen. On peut pas dire. La vision était très très différente. Hein. Quand on était au Parlement européen, finalement puisqu'on parle des administrateurs, enfin et les fonctionnaires qui travaillaient à la Commission. Était quand même relativement considéré comme... il n'y avait pas tellement de synergie, en fait, entre les deux. C'est-à-dire qu'on considérait que les fonctionnaires arrivaient pour, justement, donner la bonne parole de Laurienne et que c'était quand même... qu'il y avait un bloc, finalement, par rapport... Et le Parlement ayant son rythme à lui, etc. Donc ce sentiment d'être quand même un peu sous pression... je l'ai souvent ressenti. Et quand j'étais à la Commission, enfin, en ce qui me concerne, je crois que mes collègues, c'était un peu pareil, en fait, le Parlement était considéré comme assez secondaire. Enfin, c'était pas...
Julie, pour les débats, moi, que j'ai vu politique régionale, c'était très important parce qu'il y avait tous les objectifs de financement aussi sur l'ancienne Allemagne de l'Est. Et c'était juste à ce moment-là et tout. Donc, mais tout ça, ça se réglait en fait plus à l'intergouvernemental, en fait. Donc, si vous voulez, le Parlement, il n'y avait pas vraiment de. C'était pas. C'était, voilà, c'était pas un problème. Enfin, ça, c'était voilà. C'est... Je pense qu'en effet, de ce point de vue-là, la situation est assez différente aujourd'hui. Juste comme anecdote, mais peut-être comme ligne de fuite aussi pour des débats à venir, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez raconté sur les usages qui peuvent être faits de son travail, c'est-à-dire à la fois la crainte de l'audit, et puis à la fin, bon, ouais, j'ai quand même bien une forme d'audit, puisque d'une certaine manière, une réforme se réclame de vous. Perception française, perception britannique, complètement différente de la restitution du travail. Et pour l'anecdote, alors je ne sais pas si vous le savez, mais le rapport, donc, n'a pas, ça vous le savez, n'a pas été publié, donc il a circulé sous le manteau pendant des années. Bon, il a quand même bien circulé, il faut bien le dire, parce que c'était que traîne, tout le monde l'avait, toute la communauté académique avait des photocopies. Ouais, vraiment, j'étais pas au courant. Et juste pour vous donner un complément, c'est qu'on a été invité dans les années qui ont suivi à participer à des stages d'intégration des nouveaux fonctionnaires. Donc voilà, on était. Donc tout le monde savait qu'on. Quand on nous demandait qu'est-ce qu'on faisait, ben évidemment, on disait qu'on avait fait ce rapport et tout le monde avait l'air de le connaître. Donc tout ce que je sais, c'est que il voulait pas le publier. Moi, de mon côté, à partir de ce moment, j'étais déjà dans autre chose et de toute façon, les éditeurs me disaient que l'Europe, ça n'intéressait pas tellement le public. Donc voilà, c'était. Moi, j'avais fait un petit livre. En attente d'Europe, ça s'appelait chez Hachette. Il m'avait demandé un petit bouquin où je résumais un peu des aspects de ce truc. Et puis d'ailleurs, c'était très drôle parce que c'est une collection où ils avaient demandé à un interlocuteur de faire des trucs et c'était Jean-Louis Bourlange qui avait accepté de faire deux, trois remarques. Et donc, ça s'est appelé Abélès Bourlange. En fait, Bourlange là-dedans n'était pas du tout l'auteur de. Mais ça ne l'a pas gêné. Il est... Mais c'était drôle. Non, on a. Mais je veux dire, tout ça, c'est. Oui, tout ça était quand même. Mais voilà. Et alors, je ne sais pas si vous savez, mais vous êtes cité à un moment donné dans un livre blanc, réalité de la Commission, et c'est le livre blanc de la réforme Kinnock. Qui utilise en réalité votre travail pour dire mais la Commission est séparée dans des maisons très très différentes et donc il est temps de recréer un esprit de corps et en fait c'est la création d'EPSO et de l'École européenne d'administration qui d'une certaine manière est justifiée par votre travail comme l'idée de recréer un esprit de la grande maison. Voilà, pérennité encore. Ce qui est curieux, c'est qu'à un moment, non, la seule proposition que j'ai eue intéressante, enfin, qui m'aurait intéressé, c'est Émile Noël. Émile Noël était l'ancien secrétaire général, était un des. Et il était très, très fasciné par ce truc. Et il m'a dit, il était à l'Institut universitaire. Oui, enfin, on avait un peu le même. Et il était universitaire de Florence. Et lui, il m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait de venir faire des cours? Moi, j'étais très. Là, j'étais pour le coup, j'étais assez enthousiaste, mais il est mort. Donc, ça s'est arrêté. Mais j'ai jamais mis les pieds au collège ici. Enfin, c'est assez drôle, quoi. C'est un truc. En même temps, tout ça a circulé et a eu une certaine impact. Donc c'était bien. Mais voilà. Bien, je vous propose qu'on fasse un petit break et puis on enchaînera sur la table ronde. Donc toujours dans cet esprit de discussion donc sur deux jours. Merci à vous et merci à vous, Marc.